Bon, maintenant je vais vous montrer comment assembler le taximètre. Donc ici on a également d'autres pièces. On a le kit d'installation, le wiring kit. On a la trappe installateur qui vient avec une petite fenêtre transparente qu'on glisse ici. Cette trappe vient se glisser ici de cette façon grâce aux petites languettes dans le taximètre. Donc maintenant, ensuite, on a le choix de mettre une vis courte ou une vis longue. On a différents types de vis. On a les vis pour les cils à la française. Le carré vient se poser ici et il faut le casser avec le tournevis. On a les vis, les cils à l'américaine pour glisser un fil de plomb. Donc je vais vous montrer le cas de la vis à tête de plomb. Donc je vais prendre le carré ici. Je vais le mettre. Je prends une vis longue pour vous montrer qu'en fin de compte, la vis longue peut aller jusqu'au bout, si nécessaire, et se terminer, sortir de ce côté, et venir se loger dans le petit boulon qu'il y a dans la carte fixe. Si on décide de mettre une courte, dans ce cas, la vis ne sort pas au bout. Et elle se présente de cette façon. Donc je vais mettre une courte pour le travail. Et ici on voit tout de suite. Que la vis ne sort pas. Donc ici on vient glisser le fil. Il est possible également de mettre une vis longue de ce type-là. Ici. Pour venir se loger en bas de la carte fixe. Ça on le fait dans les cas où on veut que le taximètre puisse être débroché éventuellement en cas de maintenance sans casser le plomb. Voilà.